L'entre sonore est un chaos de sons, des déchets, des détritus trouvés à gauche, à droite et pêchés avec mon oreille. Donc c'est un assemblage improbable d'objets qui assemblés, on va essayer de faire de la musique avec ça. Parce que... Il y a de la percussion, il y a des cordes, il y a des vents, il y a des frottés, il y a du chant. Voilà déjà, et puis peut-être encore d'autres idées si vous en amenez. Je viens de l'Axou, hein, c'est un coin réputé là-bas. La caravane, elle fait le tour, elle récolte des objets au gré du vent et puis des dons. Il y a des gens qui ont fabriqué dans le coin de Blamont cet appareillage musical. Et donc on le fait voyager et l'entre-sonore vit depuis quelques années et elle prend la forme d'une caravane aujourd'hui sur la place du Roc. Voilà, à jouer ensemble, passer un moment ensemble. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces sons ensemble? Alors, on peut peut-être trouver un peu d'harmonie, de rythme, d'écoute surtout. La musique est une façon de le faire, mais je pense qu'il y a plein d'autres manières. En tous les cas, ici, on se penche sur la question. Il y a effectivement une volonté de voir la musique un petit peu différemment et que notre structure, le conservatoire de musique Jean Vienner, soit pas toujours dans ses murs et donne pas toujours aux gens l'impression que c'est autarcique, mais justement qu'on va au devant des gens et montrer aussi que la musique, eh ben, elle peut se faire avec les moyens du bord. Donc là, on a des moyens issus de l'éco-citoyenneté puisque c'est des éléments de récupération. Et puis que tout un chacun peut partager sous une journée ensoleillée la musique en faisant dès le départ, qu'il n'y a pas toujours besoin d'un instrument sophistiqué, que la musique, elle démarre là. Dans le principe, la musique, elle démarre aussi sur la place, dans la convivialité et la rencontre avec tout le monde. En plus, les deux intervenants de cet après-midi, donc de l'entre-sonore, vont faire un concert ce soir, toujours dans le cadre des Praticam, donc là à Blénaud, qui sera tambour quartet. Donc on fait une espèce de boucle sur toute la journée, un petit peu autour de la percussion et un peu autour du printemps aussi. Après, ça sera le 6 avril à Aton. Avec Aton, ça sera un trio de guitare qui joue sur instruments d'époque qui s'appelle Trio les guitares de Mirecourt et qui vont jouer un programme du 19e siècle interprété sur instruments d'époque de Mirecourt.